C'est une première en France. Nous voilà propulsés au XVe siècle, aux premières loges de la Renaissance italienne, sous le règne pictural du plus grand maître vénitien de son temps, Giovanni Bellini. Le musée Jacquemart-André réunit ici plus de 50 tableaux hérités de cet âge d'or, nous entraînant sur les traces d'un artiste virtuose à l'origine d'une véritable scission dans l'histoire de l'art. Car si aujourd'hui ses œuvres peuvent nous sembler assez classiques, il faut savoir qu'à l'époque, c'est une révolution, une rupture radicale avec le style gothique de son temps, osant la couleur, intégrant des paysages en arrière-plan, confortant une rigueur géométrique stricte dans chacune de ses compositions. Peintre des madones, des douleurs et des passions, Giovanni Bellini se révèle être, au fil de ses explorations dans l'iconographie religieuse, un artiste brillant, exprimant la complexité des émotions humaines dans des sujets bibliques, brouillant toujours davantage les frontières entre le sacré et le profane. Une magnifique révélation sur un génie considéré aujourd'hui comme le père de l'école vénitienne.